Je m'aperçois donc qu'il y a un homme noir par terre et il y a trois agents de la RATP sur lui qui ont posé le genou et l'homme ne se défendait pas. Je voyageais seule avec mon frère et on allait chez nos grands-parents à Lyon. Et il y a le steward, c'était l'agent dans l'aéroport, qui nous accompagne. On était en transit, donc on devait, ou on rentrait en Guadeloupe, ou on allait en métropole. Et là, il nous dit, oui, les enfants, je ne comprends pas. Donc, il cherche dans nos papiers, où est votre autorisation de sortie de territoire? Mais Oh, j'avais Jésus, Marie, 10 ans, Jésus. et moi, et je fais, mais y a, non, enfin, on vient de la Guadeloupe, c'est la France, j'avais dit un truc comme ça. Mais c'est resté dans mon esprit. Et je me dis, mais c'est dingue. Mes collègues blancs, Philippe, se rendent compte que j'ai le salaire le plus bas de nous. Pourquoi? On a fait une erreur, un ami, mon bulletin de paye dans son casier, le sien dans le mien. Et il l'a ouvert sans faire attention, il tombe dessus. Et c'est lui qui alerte les autres, il dit, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bœuf social sur JNTV+. L'actualité nous oblige à parler de certaines choses qui ont cours en ce moment dans le monde entier. L'assassinat le 25 mai dernier de George Floyd a levé un pan de bouclier sur un phénomène que tout le monde, ou presque, ne voulait pas regarder. Aujourd'hui, dans certains pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, où le taux des Noirs vivant ou originaire est très faible, hormis les aborigènes encore dans les casernes, est peu élevé. Même en Australie, donc, des populations sont soulevées pour s'insurger contre ces pratiques racistes aux États-Unis, des pratiques dont nous ne sommes pas étrangers en France, car le cas Adama est connu, et des Adama, il y en a plein en France, et malgré cette vague d'indignation, on ne semble pas avoir compris en France qu'il va falloir poser ce débat-là sur la table. Lorsque vous touchez ce sujet-là, on vous répond que c'est une minorité indigéniste qui veut imposer sa loi. Je l'ai entendu sur une radio. Viens écouter de la place parisienne, jeudi 11 juin de ce mois, donc de cette année. Quelqu'un répondait à Louis Georgetin, qui est président du CRAN en ces thèmes-là. Pour parler de cette actualité brûlante sur laquelle certains veulent verser des morceaux de graisse, nous recevons deux charmantes dames qui sont des témoins de certaines de ces scènes sur la place parisienne et même dans leur propre vie. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur Moiffaut. Alors Marlise Bété qui est comédienne. Marlise, tu vas nous présenter ta copine. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter ce matin mon ami à moi, perso. On va pas te l'arracher, vas-y. Ah non, mais j'en profite au max. Laurence Baptiste, qui est Bonjour. comédienne. Bonjour Bonjour, Laurence, bonjour. comment ça va? Eh ben, ça va bien. Bon, moi aussi j'aime bien Baptiste, surtout lorsqu'il chante dans la chorale. Ou à l'église. Oui, ou à l'église, bon, ben, ok. Alors, bon, il vaut mieux commencer par des notes d'humour, car ce dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas du tout gai. Justement. Maryse, tu as vécu quelque chose dans le métro parisien cette semaine. Nous tournons cette émission le jeudi 8 juin 2020. Et il y a 4 jours, tu as vécu quelque chose dans le métro parisien. De quoi s'agit-il? Alors, dimanche dernier, je rentrais du palais de justice de Paris 17e, où nous partions soutenir Mouazoulou, l'activiste Congolais. congolais qui avait essayé de sortir une statuette de nos grands-parents du musée du Quai Branly. Il avait donc été arrêté par les policiers et traduit, présenté au juge le dimanche. Nous sommes donc allés au palais de justice pour le soutenir. À la suite de ce procès vraiment en urgence, il avait été libéré aux environs de 17h. Du coup, nous sommes rentrés. En rentrant donc, j'ai emprunté le métro pour la première fois depuis 4 mois, je n'avais pas emprunté le métro. J'arrive donc en gare Montparnasse.
pour emprunter la ligne 12. Et il y a un agent de la RATP qui me montre un chemin à suivre. La RATP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la compagnie de bus et de métro en région parisienne. Donc, je lui dis, mais pourquoi vous m'orientez par là? Il dit, non, passez. C'est où, curieusement, je me retourne pour voir ce qu'il cache derrière lui. Je m'aperçois donc qu'il y a un homme noir par terre et il y a trois agents de la RATP sur lui qui ont posé le genou et l'homme ne se défendait pas. Il était presque gémissant. Ils étaient en train vraiment de l'étouffer. C'est où je comprends qu'il y a un vrai problème. Je demande donc à l'agent, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, mais non, ça ne vous concerne pas passer. Je dis, mais non, je ne peux pas passer quand il y a quelqu'un par terre qu'on est en train de tuer. Je ne peux pas. Et voilà comment j'entre dans l'action. On se met à discuter. Et il y a une dame qui était là avant, qui filmait l'action depuis le début, mais qui était toute seule, qui ne savait quoi faire. Une autre dame est arrivée. Et à trois, donc, nous avons commencé à parler. Un monsieur aussi est arrivé. Du coup, j'ai sorti mon appareil. Je me suis mise à filmer. Ils m'ont empêché de filmer. C'était des batailles. Vous allez voir même dans les images, ça bouge tout le temps. Il y a quelqu'un devant mon viseur. Il m'empêche. Et du coup, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le numéro d'urgence du ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse faire quelque chose. Ils m'ont dit qu'ils me redirigeaient vers la police. Ils m'ont dirigé vers la police. La policière qui a pris l'appel me dit, oui, madame, nous ne pouvons rien faire. Je dis, mais comment ça, vous ne pouvez rien faire? Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui est en train de gémir par terre. Il y a trois personnes sur lui en train de le presser. Un homme sans défense. Et si le ministère de l'Intérieur ne peut rien faire, c'est qu'il y a un problème. Gardez vos distances, s'il vous plaît, messieurs. Filmez, s'il vous plaît, mais vous gardez vos distances. Bonne démarche. Bonne démarche. Attention au métro. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est juste parce qu'il n'a pas mis de masque. Ça va, pourquoi ne pas envoyer des policiers sur place? Pourquoi ne pas envoyer des gens? Et la dame me dit, si ils sont en train de frapper sur un homme au point de le tuer, ça veut dire que le monsieur a fait quelque chose ou il les a insultés. Ah, donc en France, ceci, selon Dixi, le ministère de l'Intérieur, quelqu'un qui a insulté mérite d'être tué désormais, surtout lorsqu'il est noir. Voilà. Et du coup, je me suis emportée. Je lui dis, mais madame, il y a un problème là. Vous me dites qu'on va tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas mis le masque. On part d'une histoire de masque à une histoire d'injure. Même s'il avait injurié, pourquoi ne pas l'injurier aussi? Pourquoi forcément employer la force? Une force tellement disproportionnée que franchement on se demande dans quel état on est. Elle me dit, mais ouais, on ne peut pas être là à répondre à tous les appels des gens qui appellent pour tous les problèmes qui se passent et tout. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle a raccroché. Du coup, j'étais perdue. Dans l'action, je ne savais plus quoi faire. Je suis allée vers l'un des agents de la RATP. Je me suis remise à lui parler. Il a été violent avec une dame à côté qui essayait de crier, de l'empêcher. Violent comment? Il l'a bousculé? Oui, il a bousculé la dame, une dame blonde, qui commençait à lui dire, mais vous n'avez pas honte, vous êtes 18, à frapper un homme alors que les femmes se font violer, des gens se font agresser, vous êtes là. Et il a bousculé la dame. Du coup, je suis repartie. Et puis, le fait que nous soyons trois femmes à crier, ça a donné du courage aux gens qui passaient de se mêler de l'action. Les autres gars de la RATP se sont formés en bloc pour nous empêcher de faire les images et d'avancer vers la scène. Mmh. Du coup, ceux qui étaient en train de commettre l'acte, quand ils ont vu qu'on commençait à beaucoup s'agiter, ils ont arrêté. Ils ont enlevé les genoux sur lui et ils ont essayé de le prendre. Entre-temps, la police est effectivement arrivée. Mais l'arrivée de la police nous a encore fait plus peur qu'avant. Parce que les policiers sont arrivés avec des matraques en courant, en hurlant, en fonçant dans l'action. C'était vraiment comme un gorille, en criant, en faisant des trucs. Du coup, la police est venue plus en renfort des oppresseurs qu'en sauveur. Du coup, j'ai repris le téléphone. J'ai rappelé cette fois-là le 17.
Le 17, c'est le numéro de la police. Le numéro d'appel d'urgence de la police. Mm-hmm. Je suis tombée sur une dame. Elle me dit, attendez, je vous passe le commissariat. Je crois qu'elle m'a dit de, le plus proche. Ça devait être Vaugirard. J'ai oublié sur le feu de l'action. Et c'est un monsieur qui me reçoit cette fois-là. Je lui dis, monsieur, c'est la deuxième fois que j'appelle parce que je suis en train de vivre une scène d'horreur en plein jour à la gare Montparnasse. Je lui raconte la scène et tout. Il dit, oui, je comprends, mais... il doit déjà avoir un officier de police sur place. Il faut chercher d'abord à savoir ce que le monsieur a fait. J'ai dit, quel que soit ce que le monsieur a fait, je ne veux même plus rien savoir. On doit d'abord sauver un être humain avant de se mettre à réfléchir plus tard sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. Là, c'est une situation d'urgence. Je veux juste vous voir agir. Et le monsieur, il me dit, ouais, allez plutôt voir l'officier de police qui est sur place pour lui demander et tout. Et il a raccroché. Et du coup, nous étions nombreux à continuer à manifester. Et ils ont senti l'animosité parce que tous ceux qui descendaient du train essayaient de se mêler. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont amené vers le poste de police. Et quand ils l'amenaient vers le poste de police, nous étions une poignée qui avons voulu suivre. Ils ont barré tous les autres. Et du coup, moi, je suis entrée parmi les policiers. J'ai dit, je suis là, je filme, vous faites votre travail, je fais le mien. Je ne vous empêche pas de faire votre travail, vous ne m'empêchez pas de faire le mien. Moi, je vais vous suivre. On a marché une dizaine de minutes jusqu'au poste de police de la gare Montparnasse. Et sur le chemin, il y a deux policiers qui se mettaient devant moi, qui m'empêchaient de filmer. Et je ne comprenais toujours pas pourquoi. À un moment, il y a un qui est venu, m'a dit, madame, vous pouvez filmer, mais à condition de ne pas nous gêner, mettez-vous là-bas. Et du coup, je cours, je me mets devant. Après, j'entends le gars crier. Il me dit, mon bras, reviens voir. C'est où je reviens. Effectivement, les deux monsieur qui le tenaient derrière attraper ses bras et presser les bras derrière, alors qu'il était menotté. Donc, il lui tordait les bras. Il est menotté et on lui tord les bras. Oui, et les deux lui tordaient les bras. J'ai moi-même vu de mes propres yeux. C'est où l'autre, il revient, l'autre policier se remet devant moi pour pas que je filme et il me bouscule. Il exige que je me mette des côtés. C'est pour ça que c'est à ce moment que je comprends pourquoi depuis, ils ne veulent pas que je sois là. Parce que, doucement, ils étaient calmes. Le garçon, il parlait. Les policiers autour, ils étaient tout calmes, mais ils agissaient en douce. Genre, ils ne font rien. Genre, ils sont en train de subir, mais ils lui tordaient les bras comme ça et le gars se tordait de douleur. Voulez-vous dire que la police française est devenue... Non, cette police que vous avez vue ce jour-là, pas française. On dira halt au général D. Voulez-vous dire que cette police de ce jour-là, dans cet événement-là, était tortionnaire? Ce que j'ai vu, c'était de la torture. Ce que j'ai vu ce jour... J'ai pas pu dormir jusqu'aujourd'hui. Ça fait 3 jours que j'ai vu ça. Ça fait 3 jours que je parviens pas à dormir. Parce que je revois le gars gémissant par terre. Je le revois criant en route sur le chemin avec les bras tordus. Je revois la façon dont on l'a poussé quand ils l'ont amené au poste de police pour l'enfermer à l'intérieur, m'empêchant à moi d'entrer qui était toute seule. Et fermant même les petites vitres pour pas que je réussisse à filmer. Il a fallu que je me mette à appeler plein de monde et que les gens disent on arrive et qu'on appelle un avocat, ainsi de suite, pour qu'après ils sortent le gars. Au bout de 15 minutes, ils l'ont sorti, ils l'ont mis dans une fourgonnette, ils l'ont amené. J'ai demandé, vous l'amenez où? Un policier me dit, on l'amène en hôpital psychiatrique. Je dis, pourquoi? Il a un problème psychiatrique, le gars? On dit, oui. Et je demande à l'autre policier, il me dit, en fait, on l'amène dans un autre commissariat. Je dis, dans quel commissariat? Ils disent, on ne sait pas, on attend l'ordre de la hiérarchie. Je dis, mais c'est pas logique. Il doit avoir un suivi dans le dossier. La gare Montparnasse se trouve sur le territoire du 15e arrondissement. Tout à fait. Donc, si on arrête quelqu'un, forcément, c'est Vaugirard. C'est Vaugirard, oui, qui est dans le 15e arrondissement. Justement. Mais non. Et il est parti jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ses traces. On a lancé les avis de recherche sur Facebook, dans les groupes, dans les communautés et tout. On n'a pas encore les traces du gars. 4 jours après. Donc ça, c'est l'horreur que moi j'ai vécue en direct. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, DomTom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. Chers téléspectateurs, la scène que Marlise vous raconte s'est donc produite le dimanche 14 juin 2020, c'est-à-dire presque 3 semaines, à la veille de du jour de la 3e semaine de l'assassinat de George Floyd. Au moment même, au lendemain de la grande manifestation contre les violences policières à Paris. Vous voyez, ça n'a
ça ne semble pas avoir changé grand-chose. Hein. Lorsque vous parlez, on vous répète. Les supposés grands médias français vous répètent que c'est une minorité indigéniste qui veut imposer sa loi. Voyez-vous ce que je veux dire? Ces grands médias qui donnent la parole à certaines têtes bien pensantes. Je vais citer Zemmour, si vous m'attaquez en justice, qu'il m'attaque vite, on ira là-bas et je lui montrerai qu'il est un haineux, tout simplement. S'il s'agissait de Dieudonné Mbala, comme ça sont l'Africain, je suis sûr que... On lui aurait coupé la tête. Il serait aux enfers depuis très longtemps. Voilà. Et je dois aussi rappeler que le lundi, une femme noire enceinte a été violemment interpellée par la gare d'Aulnay. On voit bien dans la vidéo comment c'est l'agent de la SNCF qui sort, qui la pousse en effet. Ils sont nombreux à la braquer au sol, à mettre le genou sur le cou, à mettre le genou sur le ventre d'une dame qui est enceinte, sans défense, qui hurle par terre. Et les collègues vont arrêter l'autre monsieur à côté qui essaye d'intervenir. Donc ça ne s'arrête pas. Laurence, toi qui viens en région parisienne, tu as beau avoir la peau blanche, mais en France, lorsqu'on a les cheveux crépus, même en Occident en général, on est rapidement assimilé au noir. Pourtant, tu as bien des parents blancs. Malheureusement, ton côté blanc doit être souvent oublié, non? Mon côté blanc oublié, si tu veux, moi je me considère comme guadeloupéenne, afropéenne. Et c'est vrai que mon père est foncé de peau, ma mère elle est métisse mais claire de peau. Mais c'est vrai que ici les gens ils te, ils te font remarquer ta différence. Mmh. Ils te font remarquer ta différence. En général où les gens sont intrigués. Mais c'est plutôt dans le milieu professionnel, c'est plutôt dans le milieu professionnel qu'on te fait remarquer cette différence-là. On va arriver sur le professionnel. Chers téléspectateurs, je tiens à donner ce témoignage, c'est pour la deuxième fois que je le donne en deux semaines. Sachez que mercredi 3 juin 2020, c'est-à-dire... 8 ou 9 jours après l'assassinat de George Floyd, un mot d'ordre était lancé sur les réseaux sociaux pour se regrouper devant l'hôtel de ville de Paris pour lui rendre hommage. Ce jour-là, le coin était noir de CRS et de policiers. J'y suis arrivé avec ma caméra pour couvrir cet événement-là. Immédiatement, un policier s'est précipité sur moi. « Monsieur, vous êtes journaliste ?» Je me suis retourné, je lui ai montré mon dossard avec les cuissons de mon média JMTV+. Il a lu, il est dans le camion, on leur dit JMTV+. Ils ont checké, ils ont vu que ça existe officiellement. Ils m'ont laissé tranquille. Moins d'une heure après, j'avance, je tombe sur deux amis de la fortune. Deux blancs, une dame et un monsieur. Les deux blancs. Nous formons un trio, la caméra est posée au milieu sur un trépied. Arrive un autre policier en civil qui sort sa carte et se présente. Il me contrôle, moi, et pas les deux blancs. Je fais ce témoignage devant l'hôtel de ville de Paris, mais contre moi et pas les deux blancs. Ces deux blancs-là, ils sont toujours vivants, ils peuvent témoigner. Alors, je sors ma carte de presse, je lui montre. Je lui dis, puis-je vous poser une question, monsieur? Il me dit, oui. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi je suis le seul à avoir été contrôlé, alors que nous sommes trois ici, moi, le seul noir? Il me dit, c'est parce que j'ai vu une caméra au milieu. Qu'est-ce qui vous dit que cette caméra m'appartient? Vous avez contrôlé, pas les documents de la caméra, mais mes documents en tant qu'être humain. Pourquoi les deux blancs ne sont pas contrôlés? Non, monsieur, n'y voyez rien. Et c'est comme ça. Et nous sommes en France. Donc, j'ai vécu. Je n'aurais peut-être pas été journaliste qu'on m'aurait retiré pour me contrôler. J'aurais fini comme ce monsieur dans le métro. J'ai eu la même scène la semaine dernière lors des manifestations pour Adama sur le Champ de Mars, où un gendarme a passé toute la journée à me bousculer. Et les autres ne pouvaient pas me laisser passer parce que j'étais une femme noire portant une caméra sur un trépied. Il a fallu une dame journaliste de, je crois, RT pour venir à un moment m'arracher aux mains des CRS parce que ça devenait trop. Toute la journée, c'était l'acharnement sur moi. En fin de journée, il y a eu un jour un gendarme qui m'a bousculé trois fois de suite.
J'ai fini par m'énerver et c'est son collègue qui est venu calmer la situation en me disant « Madame, pardonnez, il y a des brebis galeuses partout. » J'ai dit 3 fois de suite. Quand un gendarme bouscule un citoyen 3 fois de suite, c'est qu'il cherche des histoires. Tout comme ils excitent les jeunes pour qu'ils s'énervent, c'est qu'ils cherchent des histoires. Le gendarme n'est pas là pour lancer des mots, pour chercher des histoires. Et c'est ce que moi j'ai vu à chaque reprise dans les manifestations. Parfois, il frappe, il nous poussait avec des boucliers sur le Champ de Mars. Juste pour que les gens s'énervent. Ils en profitent pour interpeller. Justement. Laurence, as-tu toujours vécu en région parisienne ou... Non, je vis en région parisienne depuis 2003. Et avant, j'ai fait 2 ans d'études à Lyon. Et en fait, je suis venue en métropole en 2001. Sinon, jusqu'à août 2001, je vivais en Guadeloupe où je suis née. Donc... Tu vivais chez les indigènes. Oui, comme chez... moi. C'est ça, exactement. Nous avons cela en commun. Je suis arrivé en 2001. Et 2001. Je vais vous dire, ça va vous étonner, c'est une bonne causerie qu'on fait. C'est beaucoup plus une causerie qu'une interview. Hein. Regarde derrière toi. Dans ce livre, j'explique... J'explique ce que j'ai vécu en zone d'attente à Roissy en 2001. C'est moi qui avais appelé Amnesty International pour dénoncer les sévices corporels sur les Noirs et les viols en zone d'attente à Roissy-Charles de Gaulle. J'arrivais nouvellement en France, mon deuxième jour sur le territoire français, je vis déjà cette violence sur les Noirs en zone d'attente qui est une prison en France. Il y a de cela 19 ans et 3 mois. Ah oui, tu vois, je connaissais pas cette... Les aéroports aussi sont très violents. Hein. J'ai vécu le 6 juin dernier à l'aéroport de Tenerife, sur une île supposée espagnole, une violence extrême de la part de la police. Non seulement la compagnie que j'empruntais, EasyJet, m'avait volé, parce qu'ils m'ont empêché d'embarquer alors que tout était en règle, il fallait que je leur paye 80 euros, comme ça. Mais la police qui arrive soutient la compagnie et me maltraite, moi, qui suis déjà victime. J'ai vécu le calvaire pendant 3 jours, je ne savais pas si j'allais ressortir de ce pays. Et c'était pourtant la police. Heureusement que j'avais eu le réflexe de lancer des appels vidéo et mon compagnon lui regardait la scène. Je crois que c'est ce qui les a fait un peu reculer. Parce que tel que les 3 policiers s'étaient jetés sur moi avec les matraques, je crois qu'ils m'auraient massacré. Et pourtant, c'était moi la victime d'EasyJet. Le lendemain, c'était pareil avec Ryanair. J'arrive au poste de contrôle. On me contrôle jusqu'à me déchausser, on vérifie partout, mais les autres, on les laisse passer. Hein. C'est pareil, c'était des blancs, on les laisse passer. Donc, de plus en plus, même les aéroports, je crois qu'il se passe quelque chose qui n'est pas très, très clair. Ah ben oui, si tu veux parler d'aéroports, je suis sûr que tu auras des choses à nous dire là-dessus, Laurence. Non. As-tu jamais vécu de telles scènes dans les aéroports ou dans les gares? Non, vraiment l'aéroport, non du tout. Justement, Marlise, quand elle m'a raconté son histoire, j'étais complètement... j'y croyais pas. Je vais corroborer ce que tu dis car les aéroports, je dois y passer beaucoup plus que toi, donc j'en ai vu. Je te raconte ce que j'ai vécu à Luton, l'aéroport de Luton à Londres. Hein, on dit qu'en Grande-Bretagne, il y a moins de racisme. Oui, ben, ça se voit moins que chez nous en France, mais il y en a. Hein. Donc nous sommes lundi 10 décembre 2007. Lundi 10 décembre 2007, vous vérifiez chez les téléspectateurs. Je suis envoyé en mission. À l'époque, j'ouvre la chaîne Vox Africa, qui est basée à Londres, et on m'a envoyé en mission au sommet des chefs d'État européens et africains à Lisbonne. J'y vais par l'aéroport de Luton avec EasyJet. Encore la même compagnie. Je reviens par cette compagnie. À mon arrivée à l'aéroport, je crois que je suis le seul noir dans l'avion. Alors, on prend les passeports des gens, on les fait passer. Et à mon tour, on retient mon passeport et on me demande, oui, comme une forme. Pour traduire ceux qui ont parlé anglais, d'où viens-tu? J'ai demandé au policier, what? Where you coming from? Et je lui ai dit, would you like to see here Lisbon to know that I'm coming from Lisbon? What's your problem? It's just because I'm a black, isn't it? Voulez-vous lire aussi Lisbon pour savoir que je viens du Portugal? C'est juste parce que je suis noir, n'est-ce pas? Remettez mon passeport. Je lui ai dit, give me my passport now. Give me now. Eux, au moins là-bas, lorsque tu as raison, la police te respecte. En France, lorsque tu as raison, la police te maltraite. Bien sûr. Donc, on m'a remis mon passeport et je suis reparti. Et j'ai eu la même situation à l'aéroport de Londres en mai 2017. J'allais en vacances à Londres. Je débarque sur un vol. On laisse passer tout le monde sur moi et on me retient. On me garde dans un coin. Entre-temps, le docteur a
et sa femme qui m'avaient invité, qui étaient à l'extérieur, ils attendaient et je sortais toujours pas. Je les appelle, je dis les gars, c'est chaud. Ils ont pris mon passeport, je suis dans un coin, attendre depuis longtemps, je sais pas. Il dit ok, attends, peut-être ils font des vérifications. Après, les messieurs viennent, d'abord ils ont déchiré la couverture de mon passeport. Il me dit c'est une simple erreur de manipulation et tout. Je dis sauf que c'est quand même un passeport que vous m'avez abîmé là. C'était une poche de protection. Ça, pour tout policier, c'est l'enlever. Pourquoi vous me l'avez abîmé? Ouais, madame, parce qu'on ne parvenait pas à lire vos informations. Je dis qu'est-ce qu'il y avait à lire? Il dit mais regardez, en fait, sur la puce, il ne parvenait pas à accéder aux informations dont je ne peux pas entrer en Angleterre. Je dis vous savez quoi? Les passeports camerounais sont fabriqués en Angleterre. C'est un service anglais qui contrôle ce système-là. Vous n'allez pas me faire de la misère pour ça. Vous allez appeler la DGSN au Cameroun, vous allez vous arranger. Vous savez très bien vous arranger quand il s'agit d'argent. Là, vous n'allez pas me mêler à votre connerie. Franchement, ça ne va pas se faire. Du coup, j'appelle le docteur qui était dehors, qui quand même, c'est le monsieur qui a préfacé le dernier, le dictionnaire anglais là. Comme ils appellent encore ça, le Oxford, qui a quand même un certain aura dans le pays, tout, qui tout de suite appelle son université, qui appelle à l'aéroport, pour dire, hé, nous on a notre gars dehors qui attend sa petite soeur qui est bloquée à l'aéroport, qu'est-ce que vous allez raconter? Ils m'ont libéré la nuit. Entre temps, tout le monde était parti. Et nous on était à l'aéroport, il a fallu qu'on appelle ainsi de suite pour qu'ils me libèrent pour un passeport dont la fabrication est contrôlée par eux. Et des histoires comme ça dans les pays européens, j'en ai plein. Plein. À Bergen en Norvège, plein. 2011, à Francfort en Allemagne, à Gênes en Italie. Bref, l'homme noir n'est vraiment nulle part chez lui, sur cette terre finalement. Mais nous aurions compris que nous ne serions pas chez nous dans cet pays, mais pas en France, car sans la peau noire, je ne pense pas que la France a le rayonnement qui est le sien aujourd'hui. Là-dessus, c'est clair. En France, on est obligé de justifier notre présence tout le temps. On est obligé de justifier. Alors, dans le milieu professionnel maintenant, Laurence, comment se traduit cette, est-ce que je veux dire racisme, j'aime pas trop le mot, cette discrimination raciale? Oui, discrimination, c'est des schémas. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivée à l'école de théâtre, à Paris, ça s'est bien passé, je me suis intégrée tout de suite, mais quand il faut vous faire travailler des rôles, et ben, il y a certains rôles, on vous fait comprendre que, ben, à l'époque, il n'y avait pas de. À l'époque, il n'y avait pas de noirs. Voilà. Pourtant, les noirs sont français depuis 5 siècles, c'est ce qu'on m'a dit avant de commencer à poser. Mais à l'époque, il n'y avait pas de noirs. Allons-y. Et c'était aussi arrivé à une élève, en fait, aussi, qui était. On était dans la même classe. Et donc, pareil, elle était d'origine guyanaise. On lui avait dit. Qu'il n'y avait pas de noirs à cette époque. Et c'était complètement, bien sûr, au théâtre, il y a aussi le problème des acteurs afrodescendants, qui sont métis, noirs, qui ont du mal à trouver des rôles. Mais c'est vrai que ça m'avait. Moi, j'avais en plus 19-20 ans, ça m'avait. Enfin, ça m'avait choqué, interloqué, j'y croyais pas. Je me rends compte que. J'ai eu du mal, en fait. C'est vrai qu'à l'aéroport, quand Marlise, elle m'a raconté, quand elle est partie en tant que touriste, elle est partie à Tenerife. Moi, vraiment, quand elle m'a raconté ça, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est un voyage touristique et on l'arrête. Et je me suis dit, mais je suis naïve. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais cette naïveté parce que peut-être... Aux Antilles, on est français, même si on est antillais, on nous dit qu'on est français. Donc Tu es français, le préfet de la Guadeloupe. Ah, quelle couleur? C'est blanc, voilà, oui. Mais ça, c'est le fameux... On ne peut pas avoir un préfet antillais là-bas? Ah ben, j'espère un jour. Un jour, quand j'aurai les cheveux blancs et mes morts, c'est ça? Parce que les Antillais sont moins intelligents que les autres, c'est ça? Mais parce que c'est aussi l'aliénation. Enfin, on est français, mais il y a une espèce de dualité entre le passé qui maintenant ressurgit. Enfin, ça fait depuis 1998, il a commencé à avoir les revendications. Moi, j'étais encore lycéenne. Il va bien, Élie Domotin?
Et ils veulent bien de... Il va bien. Ben, moi, je ne le connais pas personnellement, mais il est toujours là. Il faut me trouver son numéro de Mota. Je l'aime bien. Il est Lido Mota. Il est toujours là. Bon, c'est vrai que maintenant, je vis ici, donc je vois à travers les réseaux, tout ça, je suis beaucoup. Mais je pense que certains pensent qu'il est idiot, pour ne pas dire un autre mot et tout, mais il est toujours là, je sais qu'il est toujours là. Après, pour ceux qui ne sont pas entiers, de Mota, c'est un monsieur qui a toute sa tête, grande de taille, couleur de peau, mais très intelligent, et pose des revendications que j'estime légitimes, mais lorsqu'on est noir et on revendique, on est vu plutôt comme un fou. C'est la raison pour laquelle on voulait amener le jeune noir en psychiatrie l'autre jour. Oui. L'activiste le jour où il a voulu s'immoler devant l'Assemblée nationale, ils l'ont amené en hôpital psychiatrique. Parce que pour eux, quelqu'un qui veut s'immoler pour des raisons politiques, ça ne va pas dans sa tête. Ils oublient que dans cette France, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. C'est pas les Noirs qui ont brûlé Jeanne d'Arc. Hein. Il faut vous réveiller, là. Lisez l'histoire. Je sais pas, mais c'est horrible. Je sais pas. Okay, parce qu'on est nous, on n'a pas le droit de revendiquer, on n'a pas le droit de... Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que, Laurence, peut-être tu ne le sais pas et tu vas l'apprendre aujourd'hui, en 2007, aux côtés d'un ami, Manuel Achilleman, que je vais citer, quelqu'un à qui je dois beaucoup, je pense que sans Manuel Achilleman, je ne serais pas le journaliste que je suis aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis. Donc, il est de droite, il a pour ami Nicolas Sarkozy, donc je l'aide à faire la campagne de Nicolas Sarkozy. Et comme le journaliste a toujours l'oreille tendue, arrive quelqu'un à la mairie d'Asnières qui se plaint. Il voulait faire un entier. Il voulait faire une demande d'un extrait d'acte de naissance à la mairie. Mais il est né en Guadeloupe. On lui répond qu'il faut qu'il envoie un courrier au ministère des Affaires étrangères. Ça classique, ça c'est parce que... Ça veut dire qu'un Guadeloupéen, la Guadeloupe, c'est bien la France. Donc moi, naturalisé français, toi, naturalisé française, né non, en Afrique... Non, je suis un peu camerounaise. On va dire, supposons, nous, nés en Afrique, naturalisé français, si nous demandons un extrait d'acte de naissance, il est normal que nous écrivions au ministère des Affaires étrangères. Hein, le niveau de notre département, c'est au 99, donc c'est né à l'étranger. Guadeloupéen. La Guadeloupe, c'est la France. La Guyane, c'est la France. Mayotte, c'est la France. Martinique, c'est la France. Ils doivent aussi écrire au ministère des Affaires étrangères. Pourtant, ils sont arrivés en France avant Nicolas Sarkozy, avant Patrick Devedjian, avant le père ton nom, Patrick, qui était un formidable monsieur, j'aimais beaucoup Patrick, qui était un ami politique. Donc, voilà des choses qui, en France, sont comme des relents de discrimination. Autant libérer ces îles-là et qu'elles soient autonomes. Parce que ça ne peut pas se faire qu'il y ait deux France, deux poids, deux mesures à chaque fois. Franchement. Et ce que les régimes successifs français n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont contribué qu'à proliférer et faire mûrir la haine dans la société par ces actes-là. Parce que le jeune antillais ou le jeune de Mayotte qui se retrouve face à ces situations chaque jour, qui doit peiner 15 fois plus que le jeune qui est né dans le 75, ou celui qui est né dans le 92. Comment voulez-vous qu'il regarde celui qui est du 92? Comment voulez-vous qu'il apprécie Qui juge la société française? Comment voulez-vous qu'il se sente intégré dans une société qui d'office le rejette? Et dis-moi, il y a au moins un ministre antillais en ce moment? C'est qui ça? Si on parle ultramarin, c'est Annick Girardin de Saint-Pierre-et-Miquelon. Qui est beaucoup plus clair de peau que toi. Mais c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, elle est plus blanche que toi. Elle est ministre de l'Outre-mer. Voilà. Mais bon, c'est une ultramarine, Saint-Pierre-et-Miquelon. Vivement qu'on crée le ministère des Africains avec un homme noir. Mais un noir vraiment foncé. Mais c'est vrai par rapport au... C'est terrible. Tu disais au Roland, moi je me rappelle aussi, c'est une pièce de théâtre quotidienne. Avec, d'aller en fait, je voyageais seule avec mon frère et on allait chez nos grands-parents à Lyon. Et il y a le steward, c'était l'agent dans l'aéroport, qui nous accompagne, on était en transit. Donc on devait, ou on rentrait en Guadeloupe, on allait en métropole. Et là, il nous dit, oui, les enfants, je ne comprends pas. Donc, il cherche dans nos papiers, où est votre autorisation de sortie de territoire ?
Mais j'avais 10 ans. Et puis moi et je fais, mais il y a non, enfin, on vient de la Guadeloupe, c'est la France. J'avais dit un truc comme ça. Mais c'est resté dans mon esprit. Et je me dis, mais c'est dingue, c'est de l'ignorance. Parce que moi, j'ai appris l'histoire de France hexagonale, nos ancêtres les Gaulois. Alors bon, j'ai une partie de mes ancêtres, ok, je peux dire qu'ils sont peut-être Gaulois. Tu peux leur indiquer que tu as une famille blanche. Mais nous, ancêtres Gaulois, on a fait comme ça, c'est ça aussi. Mais je veux dire, j'ai pas nos ancêtres les Gaulois en Guadeloupe, non. Bon, où il y a beaucoup de métissage, donc une partie pour certains, mais c'est pas nos ancêtres les Gaulois. Donc, à une Guadeloupéenne, on a demandé l'autorisation de sortir. Oui, voilà, du territoire. Voilà, comme ce que tu viens de raconter sur le monsieur qui veut un extrait date de naissance, et donc il va lui dire non, non. Mais ça, c'est parce que les gens. Mais moi, je me rappelle, c'est des petites. À l'université à Lyon, une étudiante en histoire. Donc, c'était la pause déjeuner, tout ça. On mange un sandwich, on est dehors. C'était le printemps, il faisait beau. Et donc, qu'est-ce qu'elle me... Donc, je parle, elle me pose des questions sur la Guadeloupe. Et puis, à un moment, elle fait... Et comment ça se passe là-bas? Vous vivez en tribu? Mais c'est pas le fait de tribu, quoi que ce soit. C'est que je vraiment, une étudiante en histoire, pour moi, enfin, je savais pas quoi dire. Alors, j'ai fait... Enfin, j'ai dû lui répondre. Je crois que je lui ai répondu... je sais plus ce que j'ai répondu. Et à mon frère aussi, qui vit sur Paris et qui a fait ses études ici, entre Lyon, Limoges, ici. Pareil, sauf que lui, il avait répondu avec ironie. Il avait dit, ah oui, c'est pareil. Il avait dit, ah bon, mais vous vivez comment? Vous avez des routes là-bas? Et mon frère lui avait dit, ah ben... il avait répondu comme on voyait les colonies en termes de clichés. Mm-hmm. Ah ben non, on s'habille avec des feuilles de cocotier. Je te montrerai. On a un grand chef. Enfin, il avait et le son ami, son camarade, on va dire à l'époque, il avait cru. Et moi, pour moi, moi j'étais là. Mais comment ça se fait? Parce que quand on vient de Guadeloupe, Martinique. On apprend l'histoire, la France. Bien sûr, au fond de toi, tu sais que on venait à 7000 km, que c'est pas la même chose. Mais c'est en arrivant ici que je... Tu te rends compte que tu n'es vraiment pas d'ici, quoi. Oui, et pourtant, oui. Comme moi, j'avais jamais su que j'étais noire. Hein. Quand j'arrive en France que je me rends compte. Franchement, je sais pas si j'étais dans une bulle ou dans un truc. Je suis née, j'ai grandi, je voyageais partout dans le monde pour faire mes spectacles. Je ne m'étais jamais rendu compte que j'étais noire jusqu'à ce que je m'installe à Paris. Mais tu n'as pas écouté Johnny Hallyday. C'est ta faute. Tu aurais dû écouter Noir, c'est noir, quoi. C'est où je commence à réaliser que, mais en fait, il y a une différence que je n'avais jamais vue. Bah, peut-être quand tu étais en Afrique, Marlise, est-ce que tu suivais l'actualité française? Je suivais, je voyais des trucs. Les grèves de sans-papiers à l'église Saint-Bernard. Oui, moi, je me réveillais avec ça tous les jours à 5h30. J'ai vu le film de Tonton Tchèque. Sur les sans-papiers de Saint-Bernard, son dernier film de Paris, selon Moussa. J'ai vu plein de trucs, mais je n'avais pas intégré dans mon cerveau qu'il y avait un vrai problème. Donc je continuais à vivre comme la citoyenne du monde qui pouvait aller, revenir de gauche à droite, faire ses spectacles, représenter les activités culturelles et rentrer. Jusqu'à ce que, hop, à un moment, je me rends compte que je dois prouver à chaque fois. 15 fois plus, je dois bosser 15 fois plus que les autres. Quel que soit mon niveau intellectuel ou artistique, je ne vaux rien. Je ne peux être que pute sans qu'on me le réprimande. Et plutôt qu'on me félicite à être pute, je ne peux être que laveuse de sol, animatrice périscolaire et boueuse. Donc il y avait des trucs préétablis, des cases dans lesquelles j'étais supposée rentrer. Parce que moi, j'ai fait... Oh. Mais c'est formateur à la fin de la journée, hein, parce que c'est ce que j'ai vécu chez Bolloré. C'est bizarre. Quand je travaillais pour Direct 8, j'avais été recruté comme journaliste reporter. Donc, l'homme qu'on envoie sur le terrain avec une caméra, aller poser des questions, prendre des images. Mais il y avait des jours où je vais en mission à Château-Gontier. Je donne le nom. Château-Gontier, c'est en Mayenne. C'est près de 500 km de Paris. Mmh. Je dois partir le jour même. Je dois faire un aller-retour.
et je suis seul pour le reportage. Donc je prends, je n'ai pas le droit d'y aller avec ma voiture. Donc je pars de chez moi, je garde ma voiture dans le parking de la Tour Bolloré plutôt. Je prends ma voiture de fonction, une feuille, une 205 qui était comme une feuille, 206. Vraiment, au bout de 120 km, on sentait la voiture s'envoler comme la feuille. Je dois aller à Mayenne. Il faut que j'y sois à 9h du matin pour faire mon reportage et revenir le même jour parce qu'on attend les bandes. Voilà quelqu'un qui s'étape 1000 km aller-retour et en travaille toute la journée. Et c'est pas fini. J'arrive à 22h, je trouve sur mon bureau un mot déposé. Je dois préparer une chronique pour l'émission du lendemain. Donc on m'a recruté comme journaliste reporter, mais on me fait faire des chroniques, on me fait co-présenter des émissions. Et un jour, ce sont mes collègues blancs, quand j'étais le seul noir, il y avait une autre jeune famille qui était stagiaire, donc nous étions deux noirs, mais moi le seul qui travaillait avec un contrat. Mes collègues blancs, Philippe, se rendent compte que j'ai le salaire le plus bas de nous. Pourquoi ? On a fait une erreur, on a mis mon bulletin de paye dans son casier, le sien dans le mien. Et il a ouvert sans faire attention, il tombe dessus. Et c'est lui qui alerte les autres, il dit, c'est pas possible. Avec tout ce que ce mec fait ici, son salaire est gardé. Alors là, ça s'est su en haut lieu. Et le mois qui suivait, on m'expliquait que la maison ne fait pas de bénéfices et on me mettait à la porte. Voilà ce que j'ai vécu chez Vincent Bolloré qui exploite l'Afrique. Voilà pourquoi dans mon livre, j'explique d'ailleurs que j'ai voulu parler à Vincent Bolloré. Et je crois le vendredi 8 juillet 2005, il m'a tapoté cette épaule droite en me disant « Je sais que vous voulez me parler, mais laissez-moi un peu de temps. » J'en suis parti sans jamais le voir. Pourtant, dès le départ même, c'était faussé qu'à mon entretien d'embauche, je le passe avec Michel Roussin. Michel Roussin, ancien ministre de la coopération de Jacques Chirac, donc Monsieur France-Afrique, qui a été recasé chez Bolloré, il est le numéro 2 du groupe Bolloré. Le DRH Pierre-Yves Bousco, je cite, vient me trouver au 4e étage, il me dit, c'est pas moi qui décide pour vous, Jackie, c'est Michel Roussin, il veut vous voir, s'il me dit oui, c'est lui, s'il me dit non, c'est non. Alors, si vous voulez savoir de quoi il a été question lors de cet entretien-là, vous achetez mon livre, ils ont vendu mon frère. C'est raconté là-dedans, mes discussions avec Michel Roussin, avec Dominique Strauss-Kahn et consorts. C'était écrit là-dedans. De toutes les façons, c'est énorme, la situation de Bolloré n'aurait pas le temps de te répondre parce qu'il est très occupé à finir les bananeraies de Saint-Djombe Pendja, très occupé à surexploiter les ports autonomes africains que tonton Sarkozy a obligé les chefs d'État africains francophones à lui céder quand il a pris le pouvoir pour lui dire merci. Il est très occupé à faire dérailler les trains de la samouraille, à surexploiter les trains au point où les trains sont surchargés, ça déraille, il ne peut rien y faire, il n'a rien dit. En France, Bolloré l'aurait fait, qu'on aurait fermé l'entreprise Bolloré le même jour. Le même jour. Le scandale qu'il y a eu à Ezeka, les problèmes avec la bananeraie, les problèmes qu'il y a dans les ports autonomes chaque jour, il y aurait eu le tiers de ces problèmes sur un territoire français que les entreprises Bolloré auraient été faites. Sur un territoire français, excepté les Dom-Tom. Voilà. Ça, ça passe en Dom-Tom, on s'en fout, ce ne sont que les nègres. C'est vraiment une grosse insulte, franchement. C'est une très grosse insulte qu'on fait à l'Afrique chaque jour. Et il va falloir que ça se répare tôt ou tard. Je peux encore dire maintenant, il est grand temps que les dirigeants français mettent la question sur la table, qu'on se regarde face to face, eye by eye, et qu'on gère l'affaire, qu'on se parle, qu'on règle l'affaire, qu'on répare tous les préjudices moraux, financiers et physiques qu'on a subis. Financiers ? Non, tu parles d'un pays qui est l'un des pays les plus endettés du monde. Oui, mais on va être obligé de passer par là, Jackie. Je suis désolé, c'est une évidence. On va être obligé de parler finance. On est obligé parce que le franc CFA, c'est une monnaie française. Toutes nos matières premières sont consignées à la Banque de France. Les accords de De Gaulle qu'ils vénèrent tant, le De Gaulle qui a tué l'Afrique noire francophone. Ah, nous sommes le 18 juin, à l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin. Mais sans jamais dire qu'au large de Dakar, on avait ouvert le feu sur ces bateaux et ils s'étaient réfugiés à Douala. Où les chefs coutumiers Bamileke lui ont donné l'argent pour aller à Londres là-bas. Ça, on ne le dit pas aux Français. Il a tué l'Afrique pour sauver la France. Maintenant que la France a été sauvée, il faudrait que les dirigeants français soient assez honnêtes pour dire on revient dans l'histoire. Parce que l'histoire, elle est têtue. L'histoire, elle se répète toujours. J'ai entendu le président dire l'autre jour, on ne va pas déplorer les statues, on doit vivre ensemble. Comment vous voulez vivre ensemble quand les gens ont les haines dans le cœur? Comment vous voulez vivre ensemble quand vous montrez à l'autre tous les jours
qu'ils sont minimes, c'est de la vermine, rien n'a jamais existé, ou comme d'autres disent, il faut oublier l'histoire. Mais non, vous n'êtes qu'une minorité indigéniste. Je suis désolée, ils n'ont qu'à mépriser autant qu'ils veulent, mais moi je me dis, il est encore temps de sauver les meubles. Et continuer à couvrir, c'est mettre de l'huile sur le feu. Ils se disent, on met une couche d'argile ou une couche de terre ou une couverture, tout ce qu'ils veulent pour faire avancer le temps. Mais non, plus on presse, plus on étouffe, mieux ça bouillonne à l'intérieur. Et ça, c'est un vrai danger que la France est en train de créer sans s'en rendre compte. Vous allez me permettre de me lever, prendre un livre que je vais vous présenter, chez les téléspectateurs, dans une minute. Alors, chers téléspectateurs, ce que tu décris, Marlise, non seulement j'ai fait des propositions, toujours dans mon livre, Ils ont vendu mon frère, vous retrouvez mes discussions avec Dominique Strauss-Kahn, Antoine Veil, Jacques Gauthier, dans ce livre, mais il y a aussi celui-ci qui vient de paraître, Relations Afrique-France et les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France, de Pierre Moukoko, c'est tout nouveau, hein? Ça fait deux ou trois mois c'est paru, et ça rencontre un franc succès en ce moment. Son éditeur n'attendait pas qu'il vende 100 livres en 6 mois. Il a passé les 100 livres malgré le confinement en moins de deux mois. C'est chez Hachette? Non, c'est l'Armatan. Je vous fais la pub à l'Armatan car eux ne payent jamais personne. Voilà pourquoi je ne cite pas l'éditeur. Justement. Vous comprenez? Pierre Moukoko, on va chercher. Voilà, Pierre Moukoko, si tu oublies, tu me demandes. Donc, il est passé sur ce plateau et rapidement dans la foulée, il a dépassé la centaine de livres vendus. Et croyez-moi, c'est un livre qui en ce moment dérange en France. Beaucoup d'intellectuels français se penchent dessus et ressortent avec des mots style minorité indigéniste. D'autres se posent un tas de questions. Aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions. Donc, je vous le recommande, chers téléspectateurs. Relations Afrique-France, le gâchis français de Pierre Moukoko, que vous pouvez retrouver sur les plateformes Amazon, chez l'Armatan et un peu partout. Il y a aussi le livre de Jacob Tatitsa et Thomas Delton. Jacob Tatitsa, que j'ai interviewé en janvier dernier à l'Université d'Ottawa, il y préparait une thèse de doctorat en histoire. Je crois qu'il serait bien que tout le monde lise ce livre-là. Mmh. Une guerre aux origines de la France-Afrique. Mmh. Parce qu'au moins, on a la vérité de l'histoire. Nous, on a été éduqués dans une histoire où c'est les Français qui nous ont raconté une histoire écrite par leurs soins. Mmh. Où ils ont toujours joué le bon rôle. Mais il faut qu'on se retrouve aussi dans ces histoires-là où toute la vérité est dite, pour que chacun sache vraiment où se retrouver. Pour que même le jeune Français qui passe dans la rue, qu'il arrête de dire qu'il a faim parce que le noir vient tout lui prendre. Mais... qu'il comprenne qu'ils sont tous deux victimes des systèmes politiques qui ne pensent qu'à leurs intérêts à eux et qui ont massacré partout pour piller. C'est ce que Sébastien Pérémoni disait sur ce plateau il y a 24 heures. Donc, son émission est diffusée avant la vôtre. Vous pouvez donc la retrouver. C'est ce que Sébastien Pérémoni, proche de Jacques Cheminade, disait sur ce même plateau il y a 24 heures seulement. Oui, les jeunes Français, vous êtes autant victimes que nous les Noirs. Bien sûr. Autant. Si vous n'étiez pas victime, il n'y aurait pas de sortie des gilets jaunes. Regardez, en France aujourd'hui, il est impossible de vivre avec 1500 euros. Quand j'arrivais en France au temps des francs, 1500 euros représentaient à peu près 10 000 francs. On était un cadre moyen et on vivait paisiblement avec 10 000 francs. Aujourd'hui, 1500 euros, on ne boucle pas la fin du mois. Donc, nous sommes tous victimes. Français noirs, français blancs, africains ou européens, nous sommes tous des victimes. Voilà. Ça, c'est un peu le journaliste qui parle, c'est le citoyen qui s'exprime aussi. Hein, car j'ai le droit, hein, n'est-ce pas? Bon. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.